C'est le livreur. Metz bat tous les records cette saison avec ses affluences. Le stade est à chaque fois rempli. Et le début de rencontre est à l'avantage des Bordelais avec un premier ballon ici en direction de Bancarel. Une frappe stoppée par Songo. Oh la vache, on est bouffé dans les duels, les gars. Vache. Robert, à chaque fois, il a repris Cyril, tous. Chaque fois qu'ils vont en contact, on explose. Et Joël Muller ne s'y trompe pas, son équipe a du mal en ce début de rencontre. Pires, directement sur Prunier, dégagement en direction de Dugarry cette fois. Au milieu de la défense messine, il y a Song, il y a Kastendutch. Dugarry, passement de jambe qui a réussi à frapper, pas de problème pour Songo. Flottement ce début de rencontre, 13e minute, ballon en direction de Pouget. Huard est sorti, Prunier à la relance. Toys a mis le ballon en touche qui va être rapidement joué par Pires. Lang de nouveau, Pires. Extérieur du pied pour Isaias à 20 mètres. Isaias dans une position dangereuse qui a tiré, Pouget qui suit. Blanchard et but! But de Jocelyn Blanchard sur la première occasion messine après tout juste un quart d'heure de jeu. Gaëtan Huard reste au sol quelques secondes après son choc contre Pouget. Le tir d'Isaias après sa conduite de balle. Gaëtan Huard qui repousse, Pouget qui suit bien. Gaëtan Huard ne peut se relever du plat du pied. Blanchard marque le deuxième but de sa saison. Nous allons revivre ce but avec Joël Muller. Isaias a tiré, Pouget a suivi. Bien joué ça. C'était la réaction du banc de touche Carlo Molinari et Joël Muller. 25e minute, un malheur n'arrive jamais seul. Dugarry se blesse, claquage à l'arrière de la cuisse gauche. Dugarry ne peut continuer, il l'a tout de suite compris. Et sa sortie va être un nouveau coup dur après le premier but encaissé pour les Bordelais qui ne retrouveront jamais leur niveau de jeu du début de rencontre, la sortie de Christophe Dugarry. Jouez ! Mais vous voulez laisser faire là ! Sortez ! On sort, rouge, Pascal Gaille. Oh, putain, on attend là. Regardez, les spectateurs là, les gars, merde. Et dès lors, c'est Metz qui domine cette fin de première mi-temps. C'est Istiol qui a pris la place de Dugarry. Et une attaque menée toujours par le meneur de jeu du FC Metz. Isaias crochet sur Prunier dans la surface de réparation. Frappe du pied gauche, superbe match hier soir de Isaias qui met dans le vent ici William Prunier. Il y avait une autre solution d'ailleurs au centre, il choisit le tir du pied gauche et arrêt de Gaëtan Huard. Toujours Metz à l'attaque, Pires, Blanchard à 25 mètres, tir de Blanchard bien capté également par Huard. Et c'est sur cette action que s'est achevée la première mi-temps. La deuxième mi-temps sans Christophe Dugarry, bien sûr, qui va retrouver le banc de touche et voir cette seconde période aux côtés de Slavo Mouslin. Et elle est repartie, cette deuxième période, avec un dégagement de Huard Istiol. Face à Pierre Istiol. En relais, Vichke.
De nouveau Istiol, il n'y a pas beaucoup de solutions pour les Bordelais et ce sera un tir de loin sans danger pour Songo. Dogon, Blanchard de la tête pour Isaias face à Crossi. Isaias qui a la maîtrise du ballon en direction de Pouget dans la surface de réparation et superbe retour de William Prunier. Il a mis le ballon en corner. Et ce corner va être tiré comme toutes les balles arrêtées par Isaias. Nous jouons la 61e minute. Blanchard qui frappe et qui marque. Deuxième but de Jocelyn Blanchard après une heure de jeu. Un but extraordinaire. Il était à plus de 30 mètres. Quel jeu, ça. Extraordinaire. Ça fait deux fois qu'il nous le fait, a dit Carlo Molinari. C'est vrai, nous le verrons après cette affiche. Que Blanchard avait marqué le même but à Martigues en début de saison. Un but de très loin également. Et c'était Isaias aussi qui lui avait donné ce ballon. Dès lors, Metz a donc fait le break. Et Metz va de nouveau se montrer dangereux avec ici un tir d'Isaias. En revanche, les Bordelais, durant cette fin de rencontre, vont être les plus dangereux. Avec ici un tir de Dutuel qui passe tout près du poteau de Songo. Un petit clin d'œil aux mains du président Molinari qui souffre donc en cette fin de rencontre. Avec ici un corner dangereux et une tête de Dogon au-dessus de la barre transversale. Le match était joué, Bordeaux essaiera de revenir sans succès. Ah, je vais faire sortir Isa pour qu'il ne soit pas applaudi. Ah, ouais. Isaias après, au prochain arrêt. Joël Muller fait sortir Isaias pour qu'il soit applaudi. C'est une délicate attention et de fait Isaias est salué par tout le public de Saint-Symphorien. Entrée en jeu de Strasser et Bordeaux une nouvelle fois à l'attaque avec ce corner de Zidane et son go tout heureux de récupérer le ballon. 14e match sans défaite pour Metz, 9 victoires, 4 nuls. C'est un point de plus que Nantes la saison dernière, 31 points contre 30. 6 matchs à domicile, 7 à l'extérieur, un match de plus joué en dehors de ses terres. Slavo Mousseline, l'entraîneur de Bordeaux, ne peut que constater les dégâts. Jusqu'au but de...